matière volée en 1090, on est trop loin. Ah, alors attendez, j'ai un petit appel urgent. Hop, j'ai lancé le live un petit peu à l'arrache cette fois-ci. Parce que la problématique, c'est que c'est hyper bruyant chez le voisin. Et ils n'ont pas l'intention de faire apparemment moins de bruit. On va voir si ça bouffe moins de ressources comme ça. J'en suis pas certain. Par contre, pourquoi Pretzel ne veut pas se lancer? Ah si. Il est lancé, il faut juste que la musique arrive. Hop, pardon. Hop, pas de souci. 10:48 en 20:50. Pour Adam 73. 6-4. On est sur 110 shorts normalement, c'est ça? Ouais. Madame PC, on prend la sonnette. Ok, annoncer un potentiel 10-40. Dame 17, potentiel 10-40 en 30-08. 10-4, une autre dame peut raccrocher?
C'est une gargoyle. Oui. Une moto gargoyle à l'avant, un individu à côté du véhicule. Deux individus. Après, je sais pas si le Black Cat a décidé de refourguer, enfin, s'ils ont la possibilité de refournir en bouffe, parce que je sais qu'il y en a qui commençaient déjà à aller acheter des bouteilles d'eau et des sandwichs chez Ginette. Ouais, enfin, j'ai bien cru voir quand même un casque à l'intérieur. Hein. Et j'ai bien cru aussi le voir. Ouais. PC Citrape sur le potentiel discount. Les deux individus sont dehors. La dame 17, les deux individus sont dehors à côté de la moto en attente d'une autre patrouille pour contrôle. Et dehors qu'on n'est pas sûr. Hein. Comment ça? PC c'est de contrôler, de procéder à un contrôle. De la dame 17, on va essayer de procéder au contrôle. À terre. J'ai un appel. J'ai un appel de petite seconde. Ok. Ah, par contre, il me fait le coup à chaque fois, ça va être compliqué. J'ai une urgence continentale. Ah. Donc, okay. Malheureusement, je vais devoir t'abandonner ici. Ok. Demande des renforts. Je check juste la supérette comme ça, comme si tu voulais acheter un sandwich. Et puis. Et c'est Citrep sur le contrôle. Ok. 70, code 4 sur le contrôle. 14. Bon, je dois te laisser. Ok. C'est un 73, vous pouvez me contacter, tes pêches. 1,95, 18, urgent. De 1 17, demande marche à suivre. Bonjour monsieur. Salut. TPC 1 17, contactez-moi TPH. 10 4. Il a 18, il t'a lâché là en plein milieu ou il Non, il a été obligé de lâcher maintenant. Il avait une urgence continentale, donc du coup il a dû partir. Donc on a quand même eu le temps de vérifier la supérette, il n'y a pas eu de braquage. Donc okay, l'individu est juste devant. Directement au bureau là maintenant. Ok. Et puis. Bah, tant pis, notre petit tour en BF, on va les ranger, on va venir avec toi. Ok, bah, du coup je suis un 10-19.
Ça marche, ok. À toutes. À toutes. Et poupiou. Hop. Bon. Ah, donc du coup, il y a un nouveau comportement au niveau des animaux. Maintenant, quand tu passes près d'eux, ils fuient. Avant, ils en avaient rien à foutre, maintenant ils fuient. Ça risque d'être un peu plus dangereux du coup sur les routes. Bon, je présume que ça va être moi qui vais conduire. Hop, et pieds à terre tout seul. Ok. Donc. Et rebonjour. Patrouille les deux autres ou pas? Oui, il faut un peu. Ils font les deux quoi. Donc au pire, ouais, on va partout. Hein, on n'est pas. Oui, là, de toute façon, on n'est pas assez pour dire vraiment nord. Nord ou vraiment sud. Donc, quoi. Ok, bah, je vais prendre en scout et voilà.
Bah, je te colle nord et puis. Ouais, je déborde un petit peu s'il faut. Voilà. Ouais, voilà. Ok, à toutes. Allez hop, on est reparti tous les deux. Allez. Non mais je suis pas tout à fait, enfin je suis un peu d'accord maintenant plus je vois. Non, j'avais pas trop fait avec eux quoi. Pierce, bon c'est un suiveur et tout, mais il est pas mauvais. Spigul, il est pas mauvais, mais c'est un suiveur aussi. Honnêtement, c'est là-dessus je vois. Hein, je venais à peine battre le truc quand on a sécurisé les speedy. Il y avait Sigul, moi et Bishop. C'est Gabriel à ton avis. Donc alors qu'il y avait Sigul quoi. Tu vois c'est moi. Mais voilà quoi. Donc c'est pour ça que je. Madame 113 direction. Sur la bonne radio, merde. Attends. 6 0, j'ai mis dans les bonnes. 6 0. C'est... Je sais plus dans quel ordre j'avais mis à quel coup, c'est ça, j'ai appuyé. J'ai disposé les 4, mais j'étais plus sûr que j'avais dit sur la commune ou que je les avais rechangés. Lincoln 51 départ pour toi. C'est les 4. Mais ouais, non. Mais ouais, enfin, ouais, bon, je pense que. Ah, c'est un peu aussi. On peut se nier quand même. Mais... T'as le froid, c'est... si. Ouais, vu qu'il est au téléphone, faut pas que j'oublie de sortir le mien. Ce sera pas assez fort quoi. Faudra qu'il me le prouve aussi, hein. Peut-être que le truc c'est que j'ai pas beaucoup de recul aussi, hein, donc Oh non, je t'ai foutu de tir. Vas-y, mets tes codes, on va voir. Mets tes codes pour protéger la voiture. Ouais. Excuse-moi. Ouais, ouais. Bah, on va. Pied à terre. Hop. 48 en 20-44. Hop. Enfin, on avait plus. J'envoie le message. Il a tapé dans quelqu'un. Hop. Alors, je le sors de la voiture. J'ai entendu le boom. Ah, c'était un peu éloigné. Ouais. Bon, c'est pas, on s'en fout. Le boom était un peu éloigné. Traîne-le jusqu'à là. Ouais. Y'a personne. Bon, on en reparle. Ouais, j'y arrive pas. Ça marche. Ça marche. Ok. Ouais, plus. Ouais, bon. Ça merde. Non, j'arrive pas. Bah tant pis.
L'ambulance arrive. Heureusement que t'étais pas à côté. Ouais, parce que j'aurais pris un pain, je crois. Elle m'en dans l'herbe là. 70 APC, 10-6. T'as appelé les EMS, c'est ça? Ouais, l'appel a été pris. Hop. L'autre véhicule qui est en plein milieu là-bas aussi. Y'a personne dedans? Non, c'en est un qui a dû partir, ça encore. Ils ont une manie de toujours se barrer les civils, c'est une horreur. Allez, tenez bon, madame, les EMS arrivent. Te lance à 50 yards de kilomètre. Ils arrivent les EMS là, t'es sûr? Ah bah en tout cas l'appel a été pris hein. Je préviens juste si je te dis go on y va, qu'il m'en a 10-24, tant pis pour madame mais... Ouais. Fin 10-6, on se passe sur le dernier 10-40. 10-4. 113 km. Colin 51, 10-23. Voiture blanche devant. En conducteur, ça monte à l'intérieur.
10-31 encore, j'ai juste un classique blanc, direction sud, 30-51. Une porte en moins à l'arrière. J'ai un collègue qui est en 30-51, la porte de la spade s'est braquée. On a eu l'alerte de la de Ginette. Ouais, bah il y avait le BNIS, le plaquette et un petit assassin. Ok, bah les autres sont ok. Allez, bonne journée. Blanc, direction sud, bonjour. Point, toujours direction sud. Dans le 10-31 au niveau de la Fuente, toujours direction sud. Ça rapproche. Ouais, c'est pour la personne qui est portée à la deux. Ouais. C'est point B. Hop. Tu es riche, on change de voiture et on arrive. Ouais, parce que j'ai un problème pour eux. Pas de soucis. Là, j'arrive pas là. Ah, non, c'est 13, on check les spots. 51 perte de vision. Pourquoi j'arrive plus à la voir? J'arrive plus à la prendre dans les yeux. Ouais, ben voilà. Attends. Je l'ai. Vas-y. Hop. Ah. Ok. Lincoln 51 perte de vision niveau du point A. 113, confirmation de braquage. 113 disquette. Elle est aux couleurs de Noël, c'est dommage. En même temps, en short et débardeur, forcément hypothermie quoi. Ah bah, dans la neige et tout, ça aide pas. Hein. Ok. Bon bah, écoutez. J'ai un véhicule type Sultan classique avec une porte à l'arrière droite en le moins. Bon bah, tant pis. Bon courage. Désolé, Dicon. Ouais, bah pas de soucis, hein, moi c'est pour vous. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez fait Bobo? Ouais, ou ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est... Ouais, elle a pilé devant moi et j'ai tamponné son arrière. Ouais, mais j'imagine bien que c'est pas Nick. Nick, il conduit bien, lui. Bah, je conduis bien aussi, hein. Monsieur de blague. Ouais, je m'appelle Dicon. À un moment donné, c'est de la diconade, tu vois. Tout le temps. C'est... Ouais. Voilà. C'est et si... Oui, oui. Bah, je suis médecin, je suis médicoptère, je suis toujours aux EMS. Bon bah, tout va bien. Hein. Tant que je peux faire mon boulot, c'est le principal. Hein. Direction, ça te plaît toi ou pas? Ça me dérange pas du tout. Bah, en fait, le directeur, bah, je m'en fous. Et par contre, le reste de la direction, je suis content. Alors bon, bah, écoute. Avec Aaron en directeur adjoint et Amy en DRH, ben on est bien. Hein. Parce que le directeur, il va avoir affaire principalement aux autres, alors que le directeur adjoint et le DRH, il va avoir affaire à nous. Oui, c'est ça. Le directeur, c'est de la politique, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, il fait bien ce qu'il veut de son côté, je m'en fous, tant que je peux être docteur, tu vois, tant que je peux soigner les gens. Après, la seule différence, c'est les moyens qu'il met pour que je puisse faire mon boulot, et ça... Bah, je me débrouillerai toujours. De toute façon, on fera avec ce qu'on donne, hein, ça là-dessus. Bah, c'est ça. C'est pas comme vous, où potentiellement vous êtes en danger. Alors, certes, moi j'ai envie d'être protégé en cas de besoin, tu vois. C'est discret. Mais je sais me gérer, quoi. Oui, bon. Ma seule crainte, c'est par rapport à ma chérie, quoi. Ouais, pourquoi elle est sur la 7? Non, pas du tout, mais juste j'ai pas envie qu'il lui arrive des trucs à elle, tu vois. Ouais, bah, c'est sûr, ouais. Moi je me débrouillerai toujours, il m'arrivera tout. Voilà, je m'en fous. Mais pour elle, c'est important pour moi, quoi. Pas normal. Oui, parce que ma chérie a travaillé avec nous aux EMS, c'est pour ça que je dis ça. Je sais pas comment il s'appelle ton collègue. Loïc, j'étais aux EMS avant. Ah, bah c'est Loïc, oui. Ok. Ok, ok. Mais t'es pas resté longtemps. Bah non, les Marshalls se sont pointés et puis du coup, j'ai dû prendre la porte. Oui, bah je suis content que ce soit toi et pas Sarah. C'est dit, mais je comprends. Oui. Voilà. Bon ben des bisous le BCSO et puis j'y retourne. On pas trop une... ouais. On laisse la secondaire pour les voitures. Ouais, il y a deux voitures, c'est bon. Tout le truc à prévenir.
Hop. MPC reprise de patrouille. Et du coup, maintenant il y a des motoneiges aussi. Ouais. Mais je sais pas, le sachant. Je sais que j'ai entendu qu'elle s'achetait en 40-24, là, le nouveau garage zombie machin là. Ouais. Mais j'ai pas vu, donc il faut peut-être attendre qu'il y ait quelqu'un qui te la vende, quoi. Ouais, si j'ai bien compris. Il y a... C'est quelqu'un qui est en ARIT. Donc ouais, il y a des chances oui, que ce soit... Ouais, Mike Martin là qui... Ouais. Non mais pour... Tu vois, quand tu vas au concess... Ah, je pense qu'il faut qu'il soit, il faut qu'il soit sur place. Tout de suite, quoi. Que là, a priori, c'est... ce serait lui qui vendrait, ouais, ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. Enfin, si j'ai suivi, c'est à peu près ça. Je vais même en acheter une, moi, justement. Enfin, faut que je vende ma moto, déjà. Oh, faut que je la vende. Je la donne, quoi. Elle me fait chier. Mais... Moi, c'est clair que ma moto, je vais pas la vendre tout de suite. À quoi ? Une Bati. Quoi ? Une Bati 801. Ouais, c'est pas ce que je recherche, quand même. Je sais qu'il y en a qui cherchent à collectionner les motos et qui la cherchent, cette moto. Et comme je leur ai dit, en fait, non, moi la moto elle me va très bien. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de la revendre. Après, si tu utilises tout, il n'y a pas de soucis, quoi. Bah là, avec la neige, c'est un peu compliqué. Mais... non, moi j'ai une Vador, c'était la première chose que je me suis acheté. C'est pur litre, ça coûte pas cher. J'ai acheté au concess un truc pas cher et tout pour plus rouler avec la Punto, quoi. Ouais, moi la Vader je l'ai revendue. Ouais, c'est ça, là, je... J'ai revendu la Vader pour acheter la Bati. Il faut que je me fasse une place concess, donc faut que je la jarte, quoi. Mais putain, je vois qu'elle part quasiment pas, donc limite j'ai envie de la donner, quoi. C'est, franchement, pour me faire 8-10 000 balles, je m'en fous, quoi. Silencieuse dans le sud. Il y a l'heure du monde là. À la banque, ouais. Non, je parle en face au magasin. Du vélo avec ce temps, ils ont bien du courage. Bon, y en a, c'est des fous du vélo. Incol 1,51 en direction PDP pour 10-6. 10-4. 1,70 confirmé PDP.
Ah, les animaux qui traversent l'autoroute. Ah, moi ça. Allez. Casse-toi le coyote là. Ah, les animaux sur l'autoroute, ça va être une horreur ça. On n'a pas de secteur bien défini pour le moment. Le PC réputé d'un coup. 1,70 APC, 18. Disquette. On a tout le nord quoi. Ouais, on peut aller jusqu'à Grapsid. Ouais, bah de toute façon on n'est pas beaucoup donc. Fox il va 16 donc. Ouais, on a tout le nord. On est tout seul là quasiment, tu veux juste dire. 1,73 pour PC, 16. 14. Bon, on est tout seul, je te confirme du coup. Ouais. Faut que tu aies 16 là, je suis déjà ou pas. Moi, je fais autre chose en même temps, si t'as des trucs, tout n'hésite pas. Ouais, pour l'instant, tout va bien.
disquette. Attends, j'ai pas bien entendu, mais je sais que c'est Yakoda. Matricule 107. Le PC à 107, vous partirez en Lincoln. Début de patrouille. Disquette. Oui, d'accord. C'est qui 39 hein? Par contre, ça me dit rien. Aucune idée. Le PC à 1.07 fait un 10-19 pour former une dump avec 1.32. 10-4. C'est un bout. On s'écrit son nom, lui. Apostrophe. Ouais, ça. Potentiel 10-40. Où? Juste à côté. Vas-y. Il y a un PC, potentiel 10-40 en 40-19. Vas-y, mets-toi, il va contrôler. Hop. Pied à terre. Bonjour. 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 Bonjour, Netflix, ça va bien? Ça va et vous? Ouais. Vous avez braqué les pirates? Alors oui, honnêtement, j'ai voulu essayer, mais la caisse est scellée. Et c'est scellée? Oui. Donc si je veux voir si Ginette a été martyrisée, elle va me dire quoi? Ah oui, allez-y. Ouais, je vais voir. Je vous suis même. Je vais pas aller faire un délit de fouille pour un truc que j'ai pas fait. Ouais, elle me dit qu'elle a pas été martyrisée. Voyez, oui, une fois que tu s'en sers. Oui, tant mieux. Ça change de d'habitude. 113 pour passer 18. Non, vous allez bien? On va bien et vous? Un peu froid, je trouve. Ouais, de la neige, hein, c'est pour le chaud. Ça, ça, c'est sûr, quoi. Et fais attention parce que la neige, ça glisse. Ah bah ça, les EMS, ils vont chier, je pense. Hein. Je les plains, les pauvres, hein. Honnêtement. Enfin, je sais pas vous, mais... ah, c'est très chaud de tomber. Ouais, ouais, dès qu'il y a une bordure aussi, on chauffe un petit peu la bordure. Ah ça, direct. Un petit 10-31 à pied, j'ai l'impression que c'était Benny Hill, quoi. Ah, c'est... ah c'était du n'importe quoi. Moi c'est souvent la musique que j'entends quand je suis en course poursuite, ouais. Ah non mais là c'était ça, c'était elle courait devant, elle se vautrait, après c'était moi, après c'était elle, après enfin, c'était... Nice, ah, on aime. C'était du Benny Hill, hein, clairement, quoi. C'était du n'importe quoi. Mais voilà, quoi. Bon ouais, bon bah... On va pas vous laisser rabraquer, vous allez repartir. Hein. On va la laisser tranquille, la Ginette. Ah merde. Ouais. Mais vraiment, vous savez que quand j'ai vu l'intercepteur passer en mode coucou, j'ai cru que vous alliez passer en mode on a rien vu. Ah, honnêtement, moi j'étais sur des papiers, j'ai rien vu. C'est bon. Ah c'est... Ouais. Ah ça aurait peut-être pu marcher. En train de faire des papiers, je regardais pas du tout. Ah c'est... Ouais. C'est vrai que j'étais sur de la paperasse là et...
Et voilà. Okay, pour l'idée, bon. Enfin. Bon, en 51, enfin, d'ici. Question con, vous avez un Granger Gibbs de sortie ou pas du tout? Est-ce que c'est franchement que je vais vous répondre à cette question? Bah, ouais. Ah bon? On sait jamais. Non, mais c'est pour savoir si je risque de me choper un Granger Gibbs sur une course poursuite ou pas. C'est possible, c'est pas possible, peut-être. Ça fait mal quand même, cette merde. Ah bah... Un Granger Gibbs qui tente de suivre une comète safari, c'est très drôle. Quoi, vous l'avez encore, votre comète safari? Toujours, ouais. Ouais, il l'a récupéré? Ouais, ouais, ouais. Oh merde. On l'a même changé de couleur, enfin de stickers. Et de couleur, du coup. Ouais, il est en blanc, là, je suppose. Ouais, malheureusement. Comme toutes les, tous les véhicules. Ouais, mais moi je voulais la mettre avec les couleurs du club. Il a pas voulu. Ouais, un petit peu quand même. Par contre, il y a des magnifiques stickers de Noël sur la Safari. Mais il a pas voulu non plus. Oh bah d'accord. Il y avait un sticker avec des cannes à sucre, il a pas voulu le mettre. Oh, ça aurait bien été d'époque en plus. Bah ouais, ça aurait été très drôle, une comète Safari qui fait des courses poursuites avec des cannes à sucre dessus. Ouais. Comme ça, dès qu'on se fait choper, bon, on leur donne des cannes à sucre. Bon, au pire, on peut faire du vin à sucre. Je pense que ça risque d'être un outrage. Ah, ça dépend, ouais, ça peut, hein, effectivement. Ça peut partir sur un outrage. Hein. Mais surtout si on chope Carter du LSPD, quoi, ouais. Ah, pourquoi il vous aime pas? Alors, Carter et le Black Angel, longue histoire d'amour. Ah, tant que ça. Ouais, quand il était shérif. Menace ah, oui, de mort, ça y est, Carter là, pardon, oui. Ouais, il y en a deux. Donc je note, il y a plusieurs Carter. Merci de l'info. Oui, oui, bah oui, oui, donc, oui, bah oui, bon, c'est pas grave, de toute façon, oui, pas. Oui, bah oui. Dans oui, tous oui, les cas, c'est bien mignon parce que vous planquez tous derrière ma tricule, mais en train de tout, on donne mon nom, donc bon. Mon nom, moi je donne mon nom, mon balistec. Hein. Mais c'est le mieux. Oh là là. C'est le mieux à faire. Ma tricule, c'est une perte de temps. À la limite, si vous tirez une OP en tenue lourde, ok. Ah, de toute façon, en tenue contrôle, lourde, quand on est en gips et tout, on n'est même plus obligé de donner notre matricule. Dieu bloqué. Oui, d'accord. C'est un très disquette. Non, vous savez que j'ai peut-être conclu un petit marché avec le shérif adjoint. C'est-à-dire ? Pour 1 million. Donc si je fais une donation de 1 million aux enfants du BCSO, ouais. Vous reprenez Vanderworth. Mais non. Non, non, pour lui. 1 million. Non, non, pour lui. Non, non, bon, non. Oh, non, je suis pas d'accord. Oh, tout sauf lui. Oh, bah, oh. Vous irez discuter avec votre shérif à loin. Oh non, pas lui, non, mais c'est le pire. À la base, il y avait un agent qui me demandait 10 millions. Puis non, j'ai appelé le shérif adjoint, le shérif adjoint il m'a dit 1 million. Même pas pour 10 millions, quoi, non, j'en veux pas, même non. Pas pour 10 millions. Ah non, c'est le pire c'est de dommage. Tous, quoi. Moi, je confirme, c'est le pire de tous. Oh, une deuxième unité. J'ai si peur que le ça. Le PC, la dame qui vient d'arriver en. Non, combien déjà ici? En 49. 49. 32, écoute. La dame qui en a en 49, vous pouvez reprendre une patrouille. Oui, 10-4. Nicole en 51, début contrôle mine. Une Buffalo, non? Un doute. Je sais pas. Non, bah non. Bon, bah allez, on vous laisse repartir. Vous pouvez pas, genre, faire. Vous m'avez pas vu? Non, c'est pas possible. C'est pas faisable. Voilà. Et vous avez rien vu ni venu connu et vous repartez. C'est un compte à Ginette. Non, ok. On peut éviter la violenter, elle va bien, la petite Ginette, là, elle me dit tout à l'heure. Mais je vais pas la violenter, enfin, je vais lui donner des nouvelles de Rude. Vous savez qu'il y a des magazines hentai pour Rude dans chez Ginette. Oh bah, c'est bien pour lui, si elle lui fait plaisir, pas de soucis. Hein. Mais non. Ils sont battus, les couilles, c'est mortel. Ah non, mais faut pas dire, mais c'est pas non plus. Adam 132 APC 1048. Bon, allez. 24. C'est 10-4. Bonne journée, hein. Bonne journée à vous. C'est clair, c'est cool. Allez, ouais. Bonne journée. Si je la fais rouille, ça va pas c'est aller. C'est quoi comme moto, ça? C'est une Wolfbane. Une Wolfbane. Oh, sympa, quand même. Ouais, elle est trop cool. Colle en 51. Bon, elle va pas très vite, donc pour les courses.
J'ai comme l'impression qu'on va la recroiser dans pas longtemps. Oui, c'est sûr. Un PC code 4 sur le potentiel disque. Déjà, je peux te dire un truc, hein. Tu peux faire demi-tour et aller de par derrière, et il y a des chances que tu, qu'elle soit sur la même supérette. Hein. Tu veux qu'on y retourne maintenant? Ah bah. Allez. Allez, joueuse. Hein. Je... De te cacher, de passer par derrière. Là, tu tournes. Reste derrière la voiture, là déjà. Tranquille, t'as le temps. Et après, t'es au. Bah, pas ce chemin de terre là, mais l'autre d'après, tu tourneras à gauche. Ouais. Là, je t'ai dit quoi, la moto qui est là. Ouais. Ah, vas-y, tourne à gauche et passe par derrière. Ouais, hop. Elle peut pas la braquer. Elle arrive pas à aller. Non, elle est scellée. Elle laisse tomber. Je sais pas, il nous fait une marche arrière inutile. Mon compte, Elle va vouloir aller à l'autre supérette, manque de vol. Y a les collègues, donc du coup, c'est râpé. Remonte par la droite plutôt. Pour aller vers le 30, fais demi-tour et. Bon, moi j'ai pas le temps de finir mes trucs du coup. Moto sur les rails. Puis moi j'aurai la moitié du coup, je vois pas ce qui se passe. Y a un mec qui patrouille sur la moto, enfin qui a l'air de faire comme une petite patrouille de garde sur les rails avec sa moto.
Hop, on va s'arrêter là. Un MPC 1048 en 2006. Hop, pied à terre. Adam 32 sur code 4 sur le dernier 1040. Désolé Ginette, allez bonjour Ginette, j'ai encore cassé ta vitre. Ça va Ginette quoi. Bonjour monsieur. Ah, pardon, bonjour. Comment allez-vous? Bah, bien. Et vous? Je vais dans ma tête deux minutes. Ouais, pas de soucis. D'accord. Bah écoutez, nous ça va bien. Ah bon? Vous avez pas vu de choses bizarres, des gens qui passent dans le coin? Non, bah pas récemment, enfin. Je suis là depuis quoi, 3 minutes. Ah oui, donc vous venez d'arriver. Ouais. D'accord, très bien. Vos collègues n'ont pas eu de soucis non plus particuliers avec des gens qui leur tournent autour? Non plus, non. Enfin, je crois pas. Ça m'a pas été remonté en tout cas. Bon, ça veut dire que vous n'êtes pas trop embêté aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non, ça va. Ouais, non, ça va. Pas trop compliqué de travailler sous la neige? Avec les rampons, c'est une calamité. Ouais, j'imagine. Ça va dans l'enfer. À la brasserie, on avait le même problème, mais avec les mules. Ça glissait vraiment beaucoup. Ah ouais, bah ça doit être deux fois pire encore. Et encore bon. Bah disons qu'il faut rouler plus doucement. Ouais, bah oui. Ouais, bah là, oui, on est obligé. Sinon, c'est accident sûr. Hein. Ah oui, c'est sûr. Bah oui, ça freine pas pareil, ça tourne pas pareil, c'est un enfer. Oui, puis il faut prendre en compte aussi que les autres citoyens, déjà qu'ils roulaient pas très bien avant, mais alors là, c'est pire. Ah bah oui. Ouais, là, bah, y a pas photo, ouais. Y a pas photo, ouais. Je dis pas que je suis un bon conducteur, mais les citoyens... Bah moi qui normalement n'ai pas trop de problèmes... 1048 en 1000. Et là vous en avez plein. Alors plein, je dirais pas ça. De Adam PC 10-4. Mais bon, j'ai percuté un civil tout à l'heure parce qu'il a pilé devant moi. Quoi. Ah ouais, mais ça c'est... Même sur même s'il neige pas quoi, des fois il freine, on sait pas pourquoi. Ah ouais, mais quand il neige pas, j'arrive à m'arrêter et là il est tamponné quoi. Ouais. Bah là ouais. Bah faut voir avec eux. Hein. Parce que à mon avis, c'est la tête qui va pas quoi. Bon, en tout cas, si jamais vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Ouais. On est là pour ça. Ok. Bah y'a pas de soucis, ouais. Bah du coup je vous souhaite une bonne continuation et puis bonne journée. Et puis bonne journée à vous. Bah vous aussi, merci. Y'a eu des calls Juste un 1048 en 1000. Enfin, je refasse un petit 10 de 5 minutes, quoi, même pas. Ouais. Dans 10 minutes, 5-10 minutes. Ok. Limite, on va remonter au PDP là. Il y a quoi pour le prévenir? Bon. Ouais, t'es
fais pas former PC toi, on est d'accord. Ok, d'accord. Ok. Bon bah c'est tout. Faut enfin que je fasse un petit 6 de 5-10 minutes, donc s'il y a personne qui répond au disquette PC, faut pas s'inquiéter. Comme du coup je vais voir si quelqu'un d'autre peut récupérer, mais je crois pas que Fox soit formé non plus. Non, je sais qu'il a encore les accès mais il est pas formé techniquement. C'est moi ou ça pique un peu les yeux? Bon après voilà c'est... Attends, je vais faire un petit 6 au bureau. Attends, faut que j'appelle un petit coup Fox, je vais voir de toute façon. Mais voilà, en gros bah si je dis, si je ferai un call hein, de toute façon d'ici 5 minutes... T'as vu un Puma? Comme ça? D'accord, ok. C'est bon, ça va. Non, on peut... Oui, on va s'arrêter au Bénin. Ouais, ouais bah, tu vas. Ok, bon, ça va. Bon bah, bonne patrouille. Et à tout à l'heure. Hop, pied à terre. Comment allez-vous? Ah, vous parlez dans votre barbe ou c'est parce que vous voulez pas... non, vous parlez pas. Bonjour. Hey, bonjour. Ça va bien? Bien et vous? Oh, ça va. Adam 132 1048 Human Ops. J'ai 10-4. Oh, les klaxons qui sont moches là. Bon, ça va, ça travaille un peu de boulot? Oui, un petit peu quand même. Quand même. Avec la neige et tout, ça doit revenir un peu plus, non? Ouais. Et du coup, les zombies là, ils font des réparations ou ils font pas de réparations là pour qu'ils viennent ici? Ils en font, mais honnêtement, je sais pas pourquoi il est là. Hein. J'ai aucune idée. Comme là, vous avez fait des réparations sur leur véhicule, c'est ça, non? Bon, c'est par curiosité, hein, c'est pas. Ouais, on l'avait en gardiennage, j'ai pas suivi l'histoire. Ouais, bah d'accord, oui, c'est ça. Bah, c'est en fait, bon, on l'a trouvé devant le BCSO, justement. C'est... Ouais, alors, en voilà, quittant. Pourquoi. En quittant, j'ai vu que le véhicule était devant le BCSO, comme ça abandonné, personne dedans, rien dedans, donc on avait plus le bénisse pour qu'il prenne en gardiennage, quoi. Très drôle. Ouais, mais oui. Donc voilà. Ok. Bon, c'est tout bon? Eh bah, ben, c'est tout bon, oui. Allez, c'est une bonne journée. Eh bah, ben, pareil, bonne journée. Hop. Ah oui, il faut que je te parle d'un truc. 6000, il y a un dépôt de paquet. J'ai vu exactement où c'était. Et en fait, le mec il a commencé à le faire devant moi. Comme on... Tu sais, il y a le braquage de banque hier qui était juste en dessous. Et en fait, on est démonté pour voir bah, s'il y avait des otages et tout. Et en fait, j'ai vu un mec mettre un pied à terre sur un endroit et tout. Et il était se mettre debout. Et après, quand je lui ai dit s'arrêter, il s'est barré en courant. Et 5 minutes après, t'as le truc de paquet en 6000. Quoi. Donc il a dû se parer, faire un petit tour et revenir. Quoi. Ouais, bah, autant chercher le plus des otages, des preneurs d'otages. C'était pas. C'était. Tu vois, je. Bah, j'ai pris une photo du lieu, c'est ce que j'ai fait justement. Je voulais savoir que. Comment. Enfin, pour te l'envoyer et tout. Et bah ça marche, ok. J'ai fait justement une photo proche, une photo plus loin et tout.
Et ouais, voilà ça, quoi. J'ai déjà fait ça. Pour l'instant, quelques petits braquages super hot, mais rien de fou, fou, fou. Tu vas prendre ton service là ? Hop, et puis à ta terre. Ouais. Bon, t'as pas grand. Bon. Ouais, ouais, t'es tout seul ou tu viens avec toujours avec Sullivan? Un des deux du... attends, j'appelle Fox. Je réponds pas à ce con. Le PC à 1,51. 1,51, j'écoute. Tu peux m'appeler TPH? 10-4. Alors, tu réponds pas? Et t'as Kibo et Murphy. PC 1,67 devient un PC 1,51. 1,51, 10-4. 10-4. Fox pour repartir avec lui, je pense que dès qu'il finit là avec, il est en mille avec la brasserie, tu vois, ou si je suis revenu entre temps. Ok, ok. On n'est pas pour, je pense pas loin 5-10 minutes grand max quoi. Ok, pas de soucis. Okay. 1,67 pour PC, 10-6, 5-10 minutes. PC 10-4. Adam 1,32, code 4 sur le dernier 10-48. Et c'est bien pris. Et 10-19.
On en profite du coup. Hein. 30-26. Adam 1.32, 2 km du dernier 10-40. Et c'est 10-4. Un 56. Hop, Arianovic, je l'ai déjà. C'est 4 km4. Adam 1.32, 10.31 sur le dernier 10.40. 10-20. Sud-ouest 30-35. Tu as visé les 10-20 sur le 10-31. De visuel sur le 10-31. Véhicule. Moto sport, moto américaine. Suspect habillé tout en noir avec un casque noir et la moto noire. Code 4 sur le dernier 10-31. DC 10-4, 10-19 à toutes les unités. DC 117. DC bien pris. Tellement une horreur, c'est putain de neige. On en était à 1,42 Corban.
Mais bonjour. Bonjour. On a récupéré l'intercepteur, nickel. Ah, les énigmes du père Faustin. Ouais, salut, ouais, ça va toi. Ils sont où les deux autres? Logiquement en route. Mais ils sont passés devant moi. On prévient, non? Faut que je l'engueule ou quoi déjà? Wow. Non, c'est qui beau. Ils sont où à l'intérieur? Yep. Ouais, le feu. Ouais. Ouais, tranquille. J'ai failli partir en moto. Et Garcia a eu un mal de tête, donc du coup non. C'est vrai. Ouais, pour changer. Ah putain, j'allais partir en BF quoi, j'étais heureux. Y'a Koda. Attends, c'est moi, je vois en truc vert fluo là. Bah, il a pas les cheveux verts fluo. Oh putain, ouais. Malaise. Qu'est-ce que je m'en fous, t'as vu où c'est? Ah merde, non, c'était un truc en dessous. Je viens de trouver un de vos véhicules abandonnés. Et bonjour. Oui, tu te rappelles pas? Et bonjour. Bonjour. Encore une autre. Ok. Yakoda. Oui. Oui, t'étais avec en 4D. Ouais. Bah tu vas repartir avec et tu vas lui expliquer comment on fait des calls en 10-31 s'il te plaît. Bah ce que j'étais en train de lui expliquer. Ah bah super, bah voilà, tu continueras. Ok. Eh bonsoir. Alors bon, c'est bon, sergent, bon. Lieutenant du coup. Désolé, sergent. Donc Murphy, ok. Donc Yakoda au Malais, vous pouvez repartir, go. Ok. Très bien. Vous faites quoi, sergent? Bon. Alors, j'ai besoin de la BF, de la... non, je déconne. Devant nous? Oui, mais je suis PC, en PC. On est d'accord. Eh bonjour, bon, on va voir qui va arriver. Bonjour. C'est qui vient d'arriver? C'est un PC FN16. Walt, 93. C'est bien pris. C'est en 17, hein. Donc Zantiva, Walt. À côté, bah non, Zantiva il est à côté. Du coup,
coup qui vient te... Quoi? C'est Rajnovic. Ah putain, oui, ok, Ryan. Il était en non, c'est, un c'est la secondaire à tous les coups. Oui, oui, du coup, oui, oui, c'est Ryan. Vous êtes où, vous encore, dans quelle unité? BE ou Chips, je sais plus. Unité, BE, Chips ou Format? Oui, en gros, votre unité. Dans les cadets? Oui. Oui, 4-4 d'ailleurs, oui. Oui, oui, oui. Il vous reste quoi comme formation à faire? Arrestation. Ok. 10-31. J'ai fait 10-31 et arrestation. Je l'ai pas trouvé, pardon. Donc toi, rien. Et juste, Walt, juste arrestation. C'est ça. On avait fait la théorie, mais j'ai pas fait la pratique étant donné que je l'ai pas encore. Ok. Mets-toi sur le côté. J'attendrai Janovic. J'attends les derniers. Déjà faire son arrestation, non? T'en penses quoi? Comme ça, c'est fait, et puis après. Ouais, bah, c'est ça. Et après, on passe aux autres. 49 qui vient de sonner. Techniquement, on a une Adam qui va, et les deux derniers, Goz, Diva, Bishop, go. Allez. Et c'est parti. Adam 1.32 à 6 km du 10-40. Dernier 10-40, pardon. La merde. Hop. Adam 06, on l'accroche. De la mesure 6, 6 trep en 49. Adam 1.32, on est sur le dernier 10-40. 4, 6 trep, situation s'il vous plaît. 49 et aucun visuel. Adam 1.07, le véhicule est parti avant notre arrivée. Thank you.
On va le checker. Pied à terre. Allez. 306, on va sécuriser la suprate. BCSO, sortez les mains en l'air. BCSO, on va rentrer. BCSO, on rentre. RS droite. RS gauche. RS comptoir. RS fond. RS porte. Et petit truc. Ouais. Quand on est là, du coup, pour le comptoir, vaut mieux rester dans cette ligne là. Et là, on arrive à voir le comptoir et on surveille la porte en même temps. Ok. Parce que si tu viens là, tu vois, il y a quelqu'un dans ton dos et bzzz. Ouais. Voilà, ça c'est Fox qui m'a appris. Hop. Bon, bah, il s'est confirmé, elle a été braquée. Ok. La dame 06, code 4 sur le dernier 10-40. Bah, il a eu une migraine. Ah oui, d'accord. Compliqué, hein, les premiers jours de cadet pour lui. Ça va venir. Ah, mais c'est... Bah, disons qu'il a pas le même principe que moi où on était en alerte 2 et que j'ai passé toutes mes journées à conduire. Oui, oui. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'en trois je le laisse conduire, mais bon. Oui. Bah, là, pour le moment, moi je l'entraînais au call radio parce que c'est là où il avait le plus de soucis. Donc ce matin, je conduisais, je le laissais faire l'école en lui expliquant comment les faire à chaque fois. Bah c'est ce que je faisais aussi, mais bon, mais bon, hein, moi je suis déjà pas mieux, hein, mais bon. Oh, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Bon allez, eh ben, on laisse attendre le collègue et puis nous on va continuer, on va reprendre la patrouille. Bah oui, surtout que je sais pas à quel endroit il va... Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'il est arrivé en ayant mal à la tête ou... Je sais pas du tout, mais on a vu des trucs bizarres sur la route. Donc, Bon. Bon, on va remonter la route, on verra si on le voit en passant. Allez, c'est parti. Ouais. Oh putain, la glace. Ah, c'est chiant de se casser la gueule en permanence. Ouais. Ah bah, il est là. Donc. Oui. C'est bon, bah on peut aller partout. Allez. Adam 06, reprise de patrouille. Ça fait longtemps que tu es en ville ou pas trop? Un peu plus d'un mois. Ok. Alors, le retour des nomades en moto. Ouais. Surtout pas les emmerder, de près ou de loin, ou de les frôler, ou... Ils ont la sortie du 9mm très rapide. Ça ok. Ça fait 4 mois qu'on les avait pas vus. Mais bon, ils sont assez méchants. Puis généralement, ils aiment bien appeler leurs petits copains qui sont à côté si jamais ils ont un souci. Ouais. Donc voilà, donc quand on le doom, machin ou autre, on essaye de prendre nos distances comme t'as fait là, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas un souci. On va tirer, on s'en fout. La moto en contresens. Bah ouais, c'est ce que je vois. EPC Citrep sur 10-40. Et de la 06, code 4 déclaré sur le dernier 10-40. Et voitures volées encore. Ça, les voitures volées, il y en a pas mal. Hein. Surtout dans le sud. Ah oui.
Mais il y a pas mal de monde ici. On va s'arrêter un petit coucou. Adam 06, 10, 48, 3008. Pied à terre. Hop. Bonjour Ginette. BCSO, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. On va bien. Sauf Paul. Non mais c'est bonjour. Bon, c'est pas ma life. Rien de fou. La merde. Ça se passe bien. Ça vous n'avez pas croisé d'individus suspects. Il y a quoi qui tournait depuis tout à l'heure là autour de la supérette, mais quand je qu'on est arrivé. Ah, d'accord. Moi, je l'ai vu, mais après peut-être pas vous, mais. Après j'ai l'impression qu'avec la neige là ces derniers jours, il y a de plus en plus de monde dehors, donc. Ouais, ouais aussi. Pas fou. Bon. Dans les autres livraisons, pas de soucis non plus. Non, ça a l'air de bien se passer. Bon, ces derniers jours, c'était très calme. Ok, bon, tant mieux. N'hésitez pas à nous renvoyer un petit message hein, quand vous venez. En gros, ouais. Tout ce qui est au nord de la route 68, hein, n'hésitez pas à envoyer un petit message quand vous passez livré, et puis comme ça on passe vous voir, comme ça on peut patrouiller autour, ça vous met un peu plus en sécurité. Ouais, ça marche, pas de soucis, on fera ça, pas de soucis. Ah, désolé, je dois récupérer. Oh, oui, allez-y, hein, on n'est pas là pour vous empêcher de travailler. Pas de problème. Voilà. Chocolat chaud, café. Ouais, un petit café, t'as. J'aime bien, Ginette, elle est cool. De PC à 132, contactez-moi, TPH 538. Bon, bah si tout est impeccable, on va pas vous déranger plus. N'hésitez pas, hein. Petit coup de message si jamais il y a un problème. Enfin, pensez à vous d'abord, mettez-vous en sécurité. Et puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est gentil à vous. Une bonne journée, bon courage en tout cas. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Ah, mais je vois pas le chat. Ouais, non, je le vois pas non plus. À tous les coups, il est sur le toit. Donc, ce serait possible. Ah ouais, c'est forcément froid, mais... La dame a aussi sa PC code 4. On va aller faire un petit tour sur Grapside. Oh, de toute façon, on est tout seul là. Ouais. Le. Au Malais, il a eu une autre migraine là. Moi, je peux toucher du bois, c'est rare qu'il m'arrive des problèmes. Ben, moi, c'est rare aussi, mais avec la neige là, en ce moment, c'est bizarre. T'es répété des récoltes. À la main 06, code 4. C'est 10-4. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Voiture volée. Wouhou! Voiture volée. Wouhou! C'est la fête des voitures volées en ce moment. Ah ouais?
Oh, les vaches sont toutes dans le champ, tout va bien. Les coyotes qui traversent. Ouais, ouais, et les coyotes aussi. Et puis, ils commencent à avoir peur, les animaux. Ah oui, oui. Quand tu passes près d'eux, ils se mettent à faire n'importe quoi et à courir dans tous les sens. Il va falloir que je prenne un 18 à un moment, puis que j'aille me balader en montagne. Ça me rappellera les souvenirs, aller se faire croquer le cul par un puma. Ouais. De toute façon, moi, je vais prendre un 16, enfin, je vais prendre un 18 aux alentours de... Aux alentours de 17h05, 17h10. Pas de soucis. Pas de soucis, j'irai pas trouver en Lincoln, au pire après, tranquillement. Bon, ça nous laisse encore une bonne quinzaine de minutes à patrouiller. Ah oui. Bon, elles sont pas bien nos intercepteurs custo. Si, si. Et rien que les retours de flamme, on a l'impression d'avoir un plus gros bolide. Ouais. Eh bien, monsieur, il faut suivre la route, hein. Ouais, mais enfin. Direction Bénis. Là, il nous tombe carrément, littéralement dessus, quoi. Ah oui. La 32 a été achetée et l'autre aussi, les deux maisons ont été achetées à Sandy. Ah, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que moi pour l'instant je ne cherche pas de maison. On va aller s'arrêter en 40-25 quand même à côté du garage, aller dire bonjour. Je crois pas que quelqu'un s'y soit arrêté aujourd'hui. Le nouveau garage, ouais, non, on les a vus tout à l'heure au pénis. Ah ouais? Ouais, ils étaient partis récupérer un de leurs véhicules qui était en garde. Ah bah oui, on l'a récupéré hier soir, le véhicule il était devant le bureau. Un 32 de retour, désolé. Je verrai si ce soir c'est pas trop le bordel pour être plus en copilote pour faire la radio. Ah ouais. Top PC 10-4 contacté en 07 pour qu'il vous récupère. 10-4. De 1-07 pour PC, on a déjà le 10-20, on s'y rend. Bon, on va en 49 le chercher finalement. Ouais. Il faudra le ramener au bureau pour qu'il se change. Les taxis avec leur véhicule vert et rouge. Ah oui, oui, oui. Allez, hop. Merci. Et rebonsoir. Rebonsoir. Hop. Tango 06 à PC 10-19. PC 10-4. Il y a un gros mal de tête là, j'ai pas compris. Et ça arrive.
Ouais, ce soir, je vais pour essayer de faire plus de radio, parce que ça fait quasi une semaine que je suis sur la pointe vite. Ah oui. Disons que changer un peu, ça fait du bien aussi, des fois. Ah bah oui, 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 c'est ce qu'il faut. Le mieux, c'est d'être en... Quand vous passerez... Comment ça s'appelle ? Officier, de faire des Lincoln quand on est au niveau de l'air 0, ça vous oblige à tout faire. Ouais. Coup, ça force à être bien, bien à l'aise avec tout et être en même temps suivre du regard à peu près tout ce qui se passe. Alors c'est vachement plus fatigant. Hein. Moi je fais pas le même nombre d'heures en Lincoln qu'en Adam. Hein. Mais ça force à être attentif à tout, en 10-31 à faire ses propres calls et à suivre. C'est... Bah c'est, de toute façon c'est ce qu'on demande après en... quand on est en BF400 par exemple. Donc en chips, c'est pareil, hein, il faut faire ses propres calls en roulant, donc c'est très formateur et je trouve qu'on apprend beaucoup plus vite. Ouais. Après il faut pas avoir de faire des erreurs, hein, ça arrive. PC est là pour corriger, mais PC est là aussi pour avoir le côté strict pour rappeler quoi. La radio doit être le truc le plus fluide possible et le moins encombré. Alors là, ça va, il n'y a plus le SPD sur la fréquence. Donc, Ouais, parce qu'il paraît que c'était pas une partie de plaisir de les avoir. Tout le monde trouvait que c'était pas une partie de plaisir. Moi, j'aimais bien. Moi, ça me manque. Ça me posait pas de réels soucis et ça faisait... Ouais, on va dire que des fois, ça faisait un peu d'occupation. Quand on est en patrouille depuis une heure et qu'il n'y a pas grand-chose, ça fait un petit truc, quoi. Bah disons que ça occupe un petit peu les oreilles. Bah exactement. Du coup, le 10-40, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, il n'y avait personne. D'accord. Donc quand on arrive comme ça sur une supérette, on annonce un 10-48, un pied à terre. Oui. Et on va vérifier la supérette. Donc ça, il y a la formation... La formation sur la vérification de supérette. Oui. Oui, monsieur PC. Je t'expliquerai après. Possiblement. Non, il n'y a pas de souci. Un petit peu, ouais. Ouais. Non, pas de soucis. Oui, ce matin. Ok. Ok, pas de soucis. Ouais, mais de toute façon, c'est déjà été fait ce matin. Donc on peut direct. Ouais, t'en fais pas. Non, mais t'en fais pas. Eh oui. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Pas de soucis. Elle a tout de suite, on arrive au bureau. Hop là. C'est à tous, en 06, vous partirez avec en 32 en Adam, en 07 et en 17 partiront en Adam. 10-4. Hop là. Hop. Et puis à terre. Tu veux changer. Ouais, va te changer. De toute façon, je sortirai un autre véhicule, je vais ranger le scout et je sortirai un autre véhicule. Ok. Ah bah non, de toute façon, il arrive avec l'autre. Ah putain, il est où ? Bénise encore. Il y a le Bénise Nord ouvert ? Oui, il est ouvert. Je suis avec un 07, moi, c'est ça ? Ouais, c'est ça, avec, okay. Avec Yakoda. Tu peux le garer là et venir. Ouais, hop. Tac.
Oui, je vais avec vous. Je te pique ta voiture, tu iras avec celle de Yakoda. Il n'y a pas de souci. Allez. Tu fais pas un tir à toutes les suites, non, pas encore. Voilà. Là, je suis dispatch avec Yakoda, donc j'attends qu'il arrive. Ok, bon courage. Attends, on est en formation là, Zantia. Ouais, ok, pas de soucis. Hop. Adam 132, début. C'est Yakoda ? Ah, oui. Ah, ok, parfait. Hop. C'est 10-4. Hop. Voilà. Du coup, c'est toi qui t'occupes de la radio. Ouais. De toute manière, j'ai eu. Adam 117, début de patrouille. Ah, c'est 10-4. Hop. Bon, je vais rappeler Fox pour savoir dans quelle zone on est, du coup. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de patrouilles, un peu partout. Oui, on est dans quelle zone, du coup ? Ouais. Ok. Ouais, non. Ok. Ok, ok. Voilà, tout à l'heure. Raccroché avant que je dise à tout à l'heure. C'est bon. Bon, du coup, ouais, on est Sandy Shore, mais on fait un peu de tout aussi. Ouais, ouais, on n'est pas très nombreux, donc bah, on est que deux on s'éparpille. Donc, ouais, 17h, d'ici une heure, moi je finis mon service. Ouais, moi dans à peu près 10-15 minutes, je fais un 18 aussi. 15 minutes, ok. Ouais, ouais. Du coup, c'est toi qui t'occupes de tous les calls radio. Ouais, ouais, pas de soucis. Ça va, tu t'y arrives ? Ouais, j'ai fait 10 minutes tout à l'heure et là, je reprends. Donc... Pour l'instant, j'ai pas vraiment trop fait de radio. Non, mais c'est surtout que si vous me demandez à moi de vous apprendre les calls radio, alors que moi, j'ai même après des mois, j'ai encore du mal. Ouais, non, mais j'ai à peu près les bases, on a dit tout à l'heure, donc. Voilà. Non, après moi j'ai les bases, je peux dire quoi faire, c'est comme on dit, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ça, ouais. Non, mais après ouais, j'en ai fait que 10 minutes tout à l'heure, donc je sais pas trop si jamais je fais des erreurs, faut pas hésiter à me le dire. Je voulais savoir, ils t'ont montré au fait la supérette de Sandy Shore avec l'étage. Ouais, ouais, j'ai fait, ouais. Bah, c'était avec, bonne question, je sais plus avec qui je l'ai fait. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, non, oui. On a déjà fait le tour, on a vu ça. Ok. Parce que justement, moi, c'est un truc c'est que je monte à chaque fois aux nouvelles recrues. Ou quand je patrouille le matin, quand je patrouille avec le LSPD, je leur montre aussi. Du moins, c'est ce qui se passait avant, puisque maintenant, on patrouille tout seul. Donc. Ouais. Nous ça va, on a de la chance et en tant qu'officier on peut patrouiller tout seul alors que eux c'est au grade au-dessus. Ouais, ok. Ah, ça se voit que Black Cat est un peu de bouffe, hein. Franchement, on voit de plus en plus de véhicules s'arrêter au supérette. Ouais. Si là, c'est quand même assez perplexe comment il est garé. Non, là, je pense que c'est juste parce qu'il veut récupérer son collègue plus rapidement pour partir. Ouais, non, mais parce que comme c'est de cette façon que se garent aussi ceux qui veulent qu'ils se mettent à braquer. Non, il se garde plus proche de la porte quand il va braquer. Oui.
Moi, il faut que je surveille surtout quand ouvrir les LSAS. Bon, on va faire un petit pied à terre. Adam 1-17, pied à terre en 30-26. Et voilà. Oula. Oula. Le PC répétait tes derniers calls. C'est 10-48. De 1-17, 10-48 en 30-26. PC 10-4. Hop. Hop. Alors il faut arriver. Voilà, passer à... faut voilà, passer sans tomber en fait, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Et bonjour. Bonjour. Hop. Enfin, rebonjour, parce que moi je vous ai vu tout à l'heure. Ah bah vas-y, allez. Ah bah bravo. Oh bah désolé Ginette, hein, il va falloir encore faire appel à l'assurance. Avec la neige, je sais. L'assurance bonjour. Elle tombe beaucoup. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ah bah moi de... Non, il n'y avait que moi tout à l'heure. Voilà. Bah, c'est surtout que j'ai vu autant de camions du vignoble, je me dis tiens, bah. Ça va dire bonjour. Ah bah voilà, il y a aussi... Y a, je suis pas le seul à casser les vitres. Ah bah on va dire que c'est compliqué. Hein. Avec la neige, c'est une horreur. Bah c'est surtout qu'en plus, aucun moment, vous avez marqué où vous étiez là. Surtout ça, parce que... Faut prévenir quand vous partez sur les supérettes, au moins on sait... Désolé de vous dire ça, mais quand on envoie un message, vous venez pas, et quand on n'envoie rien, vous venez. Du coup, bah, on a un petit doute. Non, il faut mieux, parce que c'est surtout en cas de soucis... Au moins aussi, s'il y a du monde dans la supérette en cas de braquage. Pardon, Miguel. Ok. Sinon, ta va, t'es pas trop compliqué avec la neige. Tu veux que je t'envoie le BCSO ou ce qu'ils sont avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Avec la neige, ça non, va. Ils sont en supérette. Pour l'instant, ça a l'air bien géré. Ouais. Ah, parce que je me dis avec vos machins pour aller sur le pour la récolte ça devait être un peu compliqué avec vos camions. Ça doit patiner pas mal. Non, il y a un souci avec votre patron. Non, c'est bon. C'est parce qu'il parle beaucoup trop. Ouais. Du coup la radio c'est compliqué. En tout cas, si tout se passe bien, c'est le principal. Hein. Ouais. C'est ce qu'il faut. Oui, bah oui. Prenez bien au chaud dans les supérettes. Hein. Ah, t'es sûr, c'est sûr. Que, du coup, avec vos uniformes, c'est un peu compliqué. Et vous avez pas trop froid. Mais... Normalement, ça devrait bientôt changer, ça. Normalement, je suis bien normalement. En attendant, on passe voir le médecin très souvent. Quoi. Voilà, on passe dans la voiture ou on passe dans les supérettes, comme ça on reste au chaud. Ouais. Bon, je dis ça, mais bon, j'ai attrapé deux grippes en voiture, donc bon. Ah bah oui. C'est compliqué. C'est sûr, ça je peux comprendre. Bon, allez, on va peut-être vous laisser travailler du coup. Pas de problème, bon courage à vous surtout. Bah c'est surtout à vous, bah. N'hésitez pas s'il y a un souci ou autre. N'hésitez pas à faire appel à nous. Voilà, oh. Et encore une vitre. Oh, bah non, bah ça a été, t'es déjà tombé. Bah non, allez, hop. Hop, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Hop. Et code 4 sur le dernier 10-48. Hop, 2-1-17, code 4 sur le dernier 10-48. On a changé de PC? A priori, ouais, entre temps. Est-ce que c'est Kibo? (rire) 73-26, c'est hors de chez nous. Trop loin. Ouais. On avait quoi, juste 4 Il va en 30-51. Non, au lieu de dire, il y en a qui rajoutent des fois le zip au 10-48, mais je trouve ça débile. Tu sais, techniquement, c'est quelle Adam qu'à tel endroit, donc sur tes PC. Adam 1-32, 10-48 sur 30-31. PC 10-4.
quand tu pourras, tu sais quelle unité tu veux rejoindre? Pour l'instant, je suis toujours en train d'hésiter sur deux unités. Ah, lesquelles? BRI ou BE. Ah. Moi, de toute manière, c'est le BE. Adam, que je vais rejoindre. Code 4. Oui, le code 4. Voilà, faut dire. Sur le dernier 1048, hein, c'est... Mais bon. Tout le monde n'a pas la même façon d'apprendre. L'essentiel, c'est qu'à la fin, tout le monde puisse faire la même chose. Alors, ça dépend des trucs. Un truc que fait le LSPD qu'il ne faut pas faire, c'est quand tu passes sur la 1040, ne mets pas les... Tu actives ton code 2, mais pas le code 3. J'ai vu que le LSPD le fait. Bah nous, on le fait quand on est loin, mais quand on arrive sur les deux dernières bornes, non, on l'enlève. Non, même pas. Tu ne mets jamais le code 3 sur un 1040, parce que s'il y a des choufs, ça l'est prévu encore plus tôt. Ouais. Le code 3, en vrai, c'est simplement quand t'es en 1031, quoi. Après, ça, c'est mon avis. Parce que déjà, simplement, le code 2, ça suffit, quoi. C'est... Hello, what's the news? Ouais, bon, on va lui dire bonjour. Ceci. Adam 17, 1048 en 4024. Ah, et en plus, regardez. Oh. Et c'est 10-4. Hop. Hop. Il y a terre. Bonjour. Bonjour. Hop. Bonjour Ginette, désolé pour ta vitre encore. Il casse toutes les vitres. Il y a personne. Ouais, il était au téléphone dehors. On vérifie, des fois ils sont nombreux. Ouais, oui. C'est vrai que vous êtes nous qui est tout seul, c'est rare. Ouais. Enfin, au téléphone, on va attendre. Et on surveille en même temps les motards qui sont à côté. T'as l'air d'être une longue vie que tu vois. Ouais, c'est sûr. On repassera peut-être plus tard, hein, Pierre. Ouais, on peut. On pourra repasser plus tard, Pierre. Ouais. Oula. Ok. Ah bah d'accord. Adam, on attend du possible 1040 en 3051, pardon. Hop, ouais. Hop. C'est pas que le ZIP 3051 du coup. Ah. Et annonce. Désolé. Ça va aller ou quoi? Hein? Bah désolé hein. Eh, désolé hein. Dame 132, 1048 en 3051. Il a dit quoi? 10-48 en 30-51. Ah oui, il fait un pied à terre. Ouais. Attends, c'est l'autre côté. Ah, le Wonder Horse. Je suis rentré dans Wonder Horse. Ah non, c'est un collègue qui a tourné mal. Ouais, ok. Ouais, ça, j'ai compris qu'il y en avait beaucoup qui avaient mal tourné. On va dire que dans les Black Angel ou je sais plus quoi là, t'as un ancien shérif adjoint aussi qui est chez eux. Ah, ok, ouais. Pourquoi t'as mis la fédérale? Non, c'était pour le retirer, mais. Ah, oui, de toute manière, t'inquiète, je vais aller faire le plein là-bas. Hop. Voilà. Il est retiré. Ouais, parce que du coup, il paraît que quand on l'enlève ouais. sans mettre de référence à côté, ça le laisse pour l'autre. Oui, c'est ça.
C'est un peu dommage, je trouve. Bon, mais il y a encore quelques trucs à régler sur leur. Sur les GPS et tout. Ah putain. Ah oui, en trois, si tu restes appuyé sur le. Pour mettre les gyros, ça. Voilà. Ouais, ouais, ça je connais, ouais. Enfin, moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai appris. Parce qu'avant, je me disais, putain, on n'a pas de klaxon, quoi. Si, si, il faut juste laisser appuyer sur le volant. Non, parce que 3, moi, je fais code 2, code 3, vite fait, et puis voilà, quoi, 2-3 secondes. Ouais. Bon, en tout cas, annonce en fait le code 4 sur le dernier 1048, puisque du coup on l'a pas fait. À la main 17, code 4 sur le dernier 1048. 6-4. Voilà, comme ça moi. Ouais, c'est vrai que du coup on allait partir pour le renfort du potentiel 1040. Et... On fait la mine. Ouais. À la main 17, 10, 48 à la mine. Et c'est 10-4. Ah bah voilà. Oh putain. Non, c'est quoi ce camion là? Il y en a un qui part travailler. Et l'autre? L'autre, je pense que c'est un citoyen. Dans cette zone là? Et bonjour. Ouais, non, c'est un citoyen qui vient travailler ici. Il travaille à la mine. Avant le coup, je suis... Ok. Ah ouais, non, il vient juste travailler tranquillement dans sa mine. Ah non, parce que c'est la première fois que je le vois. Ah, putain, il y a encore deux camions. Ouais, il y a encore deux camions en bas. C'est ça que j'aime bien avec ce véhicule, c'est qu'il tourne facilement. Oh putain, mais il y en a combien? Mais il y en a beaucoup là qui travaillent aujourd'hui. Ah ouais? Ah, normalement on fait pas ça, mais... On a un véhicule adapté? Ouais. Parce que celui-là, même de base, sans la neige, il est adapté au tout-terrain. C'est un fugitive rallye, donc... Hop là, éparpillé à terre. Hop. C'est... Et bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ah, de voir qu'aucun d'entre vous n'a de tenue. Ah ben non. Ah, il faut mettre la tenue, hein. Ah ben, faut mettre des gants sur la tenue. Ah ça, faut voir ça avec le gouvernement. Ah mais ça a été vu. En attente. Oh, encore un truc en attente. Il y a aussi les masques à l'intérieur. En fait, la tenue, elle protège de tout sauf ce qu'on a besoin. Donc bon, on se la fait nous-mêmes. Il n'est pas couvert au niveau de la tête non plus, du coup. Non, c'est ça, c'est... Désolé, hein, mais vraiment, la tenue, moi, dès que je croise un nouveau, je lui dis de prendre ses tenues civiles. Hein. Ouais, c'est vrai que le temps qu'il fasse le changement... Peut-être mieux, mais pensez au moins mettre des chaussures de sécurité. Ouais. Celle que j'ai, ça va pas? Alors, ne vois pas trop. C'est des boots, un peu. Attendez, je me lève. Ouais, surtout que je sais pas de quel des deux qui parle, donc... Ah ouais, droite. Celui qui a genou. Que j'arrive pas à me lever, mais je... Celui-là qui a genou, oui. Oui, celui-là même. Ouais, non, ce serait plutôt les Rangers qu'il faudrait mettre, les gros Rangers, non. Il y a encore les Rangers, c'est pas coquet. Ouais, mais c'est pas un problème, pour si, ma part, c'est mais une question de sécurité. Sont adaptés ou pas? Enfin, vous avez... Plus, mais bon. Ouais, les gros chaussures coquet, quoi, c'est au moins s'il y a un truc qui vous tombe dessus, surtout le fer. Oui, c'est sûr.
Non, parce qu'ici on se gèle les mains, à la scierie on s'enfume le crâne avec la fumée là, c'est ah, bah, tourner la tête. Ah bah surtout que ça doit changer quoi, t'es pas du froid, chaud, froid, chaud. Oui, et puis on se termine en général avec la grippe sur les docks. Ouais, non, ah, c'est plutôt sympa comme travail. Ouais, c'est sûr. Ah, je vous cache pas que ouais, nous c'est pareil. Hein. Non, on mis à part la bouffe et le fait qu'on soit pas très rentable. Ouais, c'est vrai que vu qu'il y a Black Cat qui est à sec. Ah bah, vous êtes pas les seuls à être. Ah, ouais. Mais moi je travaille tous les jours et mon compte il monte pas. Hein. J'aide les nouveaux qui arrivent pas à manger et c'est. Là, je travaille pour aider les autres à pas crever en fait. Ouais, bah, Adam 132, code 4. Bah, vous avez pensé à trouver autre chose Bah, moi pour l'instant, je suis bien ici. Mais c'est vrai que pour monter le compte, c'est bon. Ouais, non, c'est pas fou. Jusqu'à présent, j'ai toujours croisé du monde, donc il y a une ambiance assez sympa. De toute manière, demain ou après-demain, il y aura peut-être un nouveau patron de la ferme. Déjà, donc. Ah ouais, voilà. Si là, ce qui a été annoncé, normalement, demain, il devrait y en avoir. Oui, alors, oui. Nouveau patron. Mais si ça suit ce qui a été annoncé. Voilà. Après, le temps qu'il te fasse tout ce qu'il faut pour. Le temps qu'il fasse la paperasse, qu'il recrute, que les gens commencent à travailler, ça risque d'être un peu. Voilà, c'est ça. C'est 10-4, Adam en 06, 10-9 pour récupérer en 86. Ben ouais, bon, on va essayer de tenir. Hein. Adam en 06, 10-4. Trop bien. Oui, parce que là, si en train, vous n'avez pas de soucis avec d'autres. Des groupes ou autres, quoi, on sait jamais. Hein, parce que... Non, tous les gens qui passent ici, ils sont sympas en général. Hein. Parce que on connaît le genre de spécimen, hein, surtout pour ceux qui travaillent à la mine, ils aiment bien venir voir pour trouver des nouvelles petites mains. Ouais, oui. Donc bon. Donc, je vous cache pas que c'est déjà arrivé, mais ils sont très sympas. Non, pas ça passe. Ouais, nickel. Ouais, en effet, y a pas de gants. Hello. Et bonjour. Ouais, moi, des tournées comme ça, j'en ai fait une. J'ai cru perdre mes mains, donc. Bon, quand pensez à faire enlever et remettre votre haut, des fois, t'as permis de t'être défait, moi, pour avoir les gants. Ah, voilà. Okay. J'essaierai ça à la série tout à l'heure. Ouais. Ah, s'il y a moyen de. Ouais. Voilà, c'est une méthode comme une autre. Sinon, vous, ça se passe bien de votre côté? Oui, alors, pas de soucis. Hein. La routine. Non, mais c'est bien la routine. Oui, pas fou, oui. Quand c'est tranquille, ça va. Ah, il l'a dit. C'est ah non, j'ai... Non, il a pas dit le Seaward. Non, j'ai pas dit le Seaward. C'est pas le Seaward. Comment ça J'ai entendu calme, non? C'est vrai que c'est très calme. À mon avis, il va rester comme ça. Ah non. Bon, et du coup, on rentre, j'ai mon 18 à faire. J'en suis sûr que ça va être super calme. Vraiment calme, on se fait vraiment chier. Hein. Là, ah ouais, c'est... là réellement. À mon avis, il va se passer un truc. Pour ce genre de personnes, moi je dis. Ah, c'est très bien, je savais pas qu'on pouvait les faire paniquer comme ça. Ah, et il me semble qu'il y a une amende qui est possible de mettre, non? Ce serait pas un outrage à agent par hasard qui serait possible de mettre là-dessus? Les flics, ça fait longtemps aussi, j'ai l'impression. Très longtemps. Ah non, ça fait pas très longtemps, non. Ah oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs. Oh ouais, d'ailleurs, vous avez pété les couilles, c'était en face de chez moi, putain, c'était la merde. Ah, mais moi j'étais pas là hier, donc. J'étais pas là non plus. Ah, c'est la merde, hein, chez toi. Bah, devant, bah ça va, ils avaient pas bloqué. La dernière fois, ils avaient carrément bloqué, on pouvait même plus rentrer dans la maison. Là, ça va, il y avait une route où je pouvais rentrer. Bon, on va vous laisser. Allez. Ouais. Bon, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis, si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Voilà, c'est ça. Bah, dans le sud, pensez où est l'SPD, envoyez un message et pour nous. Pendant, si vous venez à la mine, envoyez un message au BSSO, dire que vous venez travailler ici, comme ça au moins ça permettra qu'on tourne aussi. On sait jamais. Très bien. Comme justement vous parliez de Flika, souvent ils sont à recherche de, de personnes à enlever. Donc, Ouais, c'était... les dernières c'était des mineurs. Même celle d'avant. La celle d'avant, je crois que c'était le cas aussi. Non, celle d'avant c'était Brasseur et Black Cat. Brasseur, Black Cat et Wizzy and Loose. Pour moi, ils étaient premiers sur l'info. Hein. Ah, c'est bien. Eh ben, carrément, c'est nickel ça. Ah non, et c'était aussi. Il y avait un de Sharon aussi. Ah, ouais, ils ont enlevé à peu près tout ce qu'ils trouvaient. Hein.
Non, mais c'est bien, faut être polyvalent dans la vie. Tu prends toujours les mecs de la mine, c'est pas marrant. Ouais, foutez-nous la PM. Ouais, non, mais oui, c'est bien, premier sur l'info, du coup, ils ont le reportage. Ah, bah là, c'est sûr que là, pour être premier sur l'info, là. Ouais, mais qui continue comme ça, c'est nickel. Sinon, faites attention quand il y a du brouillard, parce que la dernière fois qu'il y a eu du brouillard pas loin de la mine, il y a eu en même temps un vol de véhicule à la mine. Ah ouais? Et un de vos collègues de la mine s'est retrouvé face à ces gros trucs. Oui, moi ça m'est arrivé. C'est pas ouf. Surtout quand il y a du brouillard. Surtout oui. Le brouillard où on voit pas plus de 2 mètres, machin en contresens. Bonjour! C'est que ça donne envie de les conduire quand même quand tu les vois comme ça. Ouais, ça doit transporter beaucoup ça. Ouais. Ah, et surtout sur la route, t'es encore plus tranquille qu'avec nos camions. Hein. C'est... Je vais aller regarder combien ça. Vous me rendez curieux. Ouais, il va falloir qu'on fasse un 10-19 aussi. Ouais, t'inquiète. Ah merde. Hop. Il est verrouillé. Eh ben, on le. Bon, il faut les voler. Ah non, nous on n'a pas les passes. Bon, on va y aller, nous. Bon, allez, on va vous laisser. Bonne journée à vous. Ouais, au revoir. Très calme à vous, hein, messieurs. Ouais. Allez, on fuit. Merde, c'est pas clair. Ah, mais. Empoté. Voilà. Ah, il y en a encore un. Ah, il y a beaucoup de monde là qui a l'air de travailler. Ah, par contre, il prend très large. Mais... Ouais, attends, on va attendre. Non, il nous laisse. Attends, il nous laisse passer. Ouais, allez. Eh merde, t'es bien. Bon, tant qu'on n'est pas sorti de la mine, tu t'annonces pas le code 4. Non, non. Que tout peut encore arriver. Il sort d'où celui-là? Je sais pas. Il était peut-être arrêté pour parler. Ah ouais, non mais. Mais j'en veux plus, moi! Ah, tu sais que moi, avant d'arriver au BCSO, quand j'avais un coup de fil à passer, je m'arrêtais sur le bas-côté. Ouais, bah oui, mais là, je veux dire, il y a énormément de monde là. Ouais, mais alors ça, je pense que c'est un autre citoyen. C'est pas le même camion. Ouais, c'est ça, c'est un autre citoyen. Il va avoir du mal à passer la barrière, je crois, non? Non, non, vu comment il ralentit, il croit que ça s'ouvre. Mais bonjour. Ouais, ça. Ouais. Faut pas hésiter à passer, monsieur, hein. Faut ouvrir la barrière, hein. Et de 1-17, code 4 à la mine. Du coup, on fait 10-19. Ouais. De 1-17, 10-19 pour 18 de 1-17. Il faut que tu dises devant Adam, Lincoln ou autre aussi. Pense à bien le dire. Je l'ai dit, non? Non, non, t'as dit de 1-17. Pardon. T'inquiète. Eh ouais, le fait de pas en faire beaucoup. 06, 10, 4, 10, 19. Du coup, j'essaierai de revenir ce soir avant que la rocade soit pleine. Le vendredi soir, c'est toujours la pire soirée. Ouais, oh, putain, l'avion. Ouais. Il vole un peu bas, hein. Mmh. Oula, il y a des choses bizarres. Ouais, des capots qui tombent, des motos en sens inverse. Celui-là, en plus. Celui-là, en revanche, de là où il venait, c'était pas un citoyen classique, hein. Ouais, lui, c'était pas un concitoyen,
Donc il doit y avoir quelque chose dans la montagne là. Ouais, non, on fait un 10-19. Ouais, ouais. Mais il doit y avoir quelque chose dans la montagne à droite. La sonnette du bureau. On verra bien, puisque de toute manière il y a les autres collègues aussi qui arrivent. Ouais, ouais. D'un coup, il y a des motards partout, il y a des choses qu'on ne voyait pas avant. Ouais, il paraît que ça faisait 4 mois qu'on les voyait plus, ceux-là. Ouais. Alors, on m'a dit, pareil, que quand on veut les doubler, bien penser à prendre large, pas les coller, parce qu'ils ont tendance à sortir leur 9 mm très rapidement, ceux-là. Oh putain. Bah, tu les traverses, comme ça, ils n'ont pas le temps. Ah, notre but c'est pas non plus de les shooter comme ça quoi. C'est quoi, c'est des lost. Oh, il y a une remorque sans. Ouais, il y a une remorque sans camion. Ouais. Ah, une lap. Ah putain, c'est pour la livraison. Eh, bonjour. Eh, bonjour. Bonjour. C'est pour. Ah, une livraison, c'est ça? Non, pas du tout, j'attends quand même de me récupérer. Ah, d'accord. Désolé. Bah, voilà. Je pense que c'est pas le cassonide. Ça doit être une Man Labs à côté. Ouais, ça doit être une Man Labs. Hop là, tac. Ouais, attends. J'ai trop avancé. Ouais, je vois ça. C'est bon? Vas-y, pied à terre. Allez, pied à terre. Tac. Hop. Salut. Ouais, moi je fais mon 18. Yes, bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Hop. Zéro six, un PC, je m'occupe de Human Labs. Le PC 10-5, on s'en occupe. 1-0-7, reprise de patrouille. Hop. Il va falloir que j'aille m'acheter ma paire de jumelles aussi, j'en ai marre d'avoir à prendre les jumelles là-dedans. Tout reste, c'est bon. Alors, tac. Tac, et on récupère les nôtres. Hop. C'est quoi que tu cherches? Du coup, j'en profite pour tester. Ah ouais, c'est parfait, ça met les gants. Hop. De 1-17 à PC 18. PC 10-4. Ah ben. 4. C'est bon?
Allez, hop. On retourne à la maison. Logiquement, ça devrait pas être le bordel. Max, non. Oh la vache! Bon, j'avoue, ça glisse un peu quand on roule vite. Faudrait que je m'arrête de faire le plein d'essence aussi, mais je le ferai au point Y. L'annonce du dossier retenu au LSAS. Le gouvernement annoncera le dossier sélectionné pour le rachat de la ferme à 21h. Donc c'est aujourd'hui qu'ils vont avoir la ferme. Donc possiblement demain on va avoir de nouveau de la bouffe. Ça tombe bien, ça commençait vraiment à manquer de bouffe. Hein. Non.
Hop. Ah bah oui, et puis forcément faut que je me casse la gueule. Putain, mais c'est une horreur ce truc. Ouais bah là j'ai fait un vol plané. Hop. Touk, tac tac. Allez. C'est une fin de live pour moi. Je vous dis peut-être à ce soir.